Bonjour la famille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est Sakina Family Cuisine. Donc là on va faire un gâteau grâce à ce petit livre recettes à la table, des gâteaux trop bons. Donc là on a choisi tous ensemble le gâteau citron et coco. Donc voilà, ça se fait en 10 minutes, donc ça devrait pas être trop compliqué. Et en plus apparemment c'est inratable. Alors l'ensemble des ingrédients, on les a là. Donc ici on a le beurre, le citron, la farine, le sucre, les œufs, le lait de coco. Et je viens de penser qu'on n'a pas la levure, Mohamed. Mohamed, mon assistant chef, nous n'avons pas la levure. Mon assistant chef est parti chercher la levure, mais donc, ne vous inquiétez pas. Donc Hikma, est-ce que tu es prête à cuisiner? Oui. Et toi, Adissa? Oui. D'accord, donc chacun va contribuer à faire un gâteau inratable au citron et au coco. Mon assistant est un peu long, mais il arrive doucement et sûrement avec la levure. Il est où la levure? Elle est dans la main. Donc voilà, nous avons la levure, donc on va commencer les amis. Avant toute chose, est-ce que vous vous êtes lavé les mains? Oui. Ah bon? Oui, moi je me suis lavé les mains. Toi je te crois, toi je te crois. Hikma et Farwati, Hikma, tu t'es lavé les mains? Si. Ok, oui, vas-y. Oui. Elle me ment. Donc on va attendre Hikma avant de tout faire. Dans ce qui nous dingue. Exactement, donc je pense qu'en fait on va départager chacun des petites tâches. Par exemple, Alison, je te confie, tu dois mettre 20 centilitres de lait de coco. Comment on va sortir? Vous avez le truc là? Ouais, les le verre d'oseur? Ouais. Non, on a ça sur le gâteau. Bah, 20 centilitres, à ton avis, ce verre il fait combien? Chef? Chef? Moi non plus. Ça c'est 50 centilitres, Anifa. Chef? 25 centilitres, c'est même. 25 centilitres? Ah, attends, Addison. 25 ou 30 centilitres? Attends, bah regarde. Attends! J'arrive, Mohamed. Ah, bah regarde, tu t'arrêtes à ce niveau-là. Ok. Oui, Mohamed. Ah, c'est bon, par la recette. Non, il n'y a pas ça, mais Hikma a voulu. Anifa, t'as dit 25 centilitres. Passe le beurre. 25 centilitres, c'est la recette. Donc, Hikma, c'est laver les mains. Voilà, donc on va enfin pouvoir commencer. Alors, voici l'assistant. Moi, je vais vous dire par quoi il faut commencer. Bonsoir, c'est moi l'assistant. Et l'assistant va vous guider dans votre tâche. Farwati. Bonjour, les enfants. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par le commencement parce que le début c'est toujours mieux. C'est la fin, hein. Alors, là, il va falloir commencer par mélanger les œufs et le sucre. Donc, Hikma, qu'est-ce qu'il faut faire? Nini. Faut pas le prendre. Non, pas ça. Non. Non plus. Non. Non. Il faut commencer par faire quoi? Oui, les œufs, exactement. Anifa, après je fais quoi? Parce que après ça va continuer. Mais c'est bon, laisse. Voilà. Donc, on a besoin de deux œufs, Hikma. J'espère que tu sais casser des œufs. Tu sais casser les œufs? Ouais, je te montre. Non, elle sait casser les œufs. Elle sait casser les œufs, moi aussi. Eh, eh, eh. Vas-y, Hikma, vas-y, vas-y. Fais-toi rêver. Vas-y, Hikma, rêve, rêve. Non, c'est bon, c'est bon. Ok, fais attention. Aïe, aïe, aïe. Ah, il est bon. Un cookie. Là, là. Un cookie. Donc, Hikma vient de mettre beaucoup de cookies dans le plat. Non, une. Ah, il y en a qu'une. Petite. Ah, j'avais pas vu. Bah... Bon, bah ça va, elle s'en sort bien, elle s'en sort bien. Aïe, aïe, aïe. Oh, j'ai envie de refaire le parce que moi j'ai pas la technique encore. Attends, nécessaire. Attends. Parce que d'habitude, quand je casse un œuf, il n'y a jamais de coquille. Ça va, tranquille. Ouais, tranquille. Chill. Ouais, c'est bon, c'est parti, c'est parti. J'ai envie de dire. Pousse-toi. On ne fait pas. Ok, il n'y a jamais de coquille. Hein. Ouais, jamais. Bien sûr. Jamais. Tu ne vas pas l'avoir mettre la coquille, moi je la vois. Il y en a pas. Mytho, il y en a pas. T'es mytho. Mais t'es sûr parce que. Oh, bon, mais franchement, les gros, c'est en plus. Farwati. Sans. C'est le talent, tu vois, c'est le carnage. Bon, mais Hikma, elle a pas un bon rond de toi, gars. Bah, ça, c'est l'œuf, c'est pas moi. Le sucre, c'est là. Toujours obligé de se disputer, ces deux-là. Hein. C'est dingue, hein. Ils sont pas frères pour rien. Mon assistant, où vas-tu? Donc, Farwati. Donc, Farwati vient d'ajouter 100 grammes de sucre. Tu es sûr? Ouais. C'est bon? Qu'elle va verser. Attends, faut qu'on vérifie avant que. Mais c'est bon, moi, mais je sais dire quand. Jackson! Fais pas de bêtises! Qu'elle va verser dans le récipient. Jackson! Fini ton travail. Donc voilà, on mélange bien. Pendant ce temps-là, Mohamed va couper
80 grammes de beurre. D'accord. Là, ça fait 25, 50. 50. Bah, on va couper là. On va couper à 75. On va couper à 75 et on va. Qu'est-ce qui fait 80 dans la table de 5? On va couper à 75 et je vais prendre un peu après. Alison, si tu veux, tu peux continuer à me manger. Ah, moi je mets pas le lait. Merci. Si tu vas mettre le lait. Donc voilà. Bon, c'est là. Pourquoi tu veux que je tourne? Oui, mais en fait, il faut que tu enlèves cette partie. Oh, oui, je sais, je sais. Connais mon travail d'assistant. Très bien. C'est ici. Ça fait une grosse plaquette de beurre, en empêchant. On va tous attraper le cholestérol. Mais non, c'est un gâteau inratable qui a une proportion moyenne dessus. Voilà, il va l'ajouter dans le récipient. Ouais, vas-y. Farwati, tu vas donner la place pour mélanger avec moi. Allez. Oh, ça veut dire bouge. Voilà. Je vais mettre ça dans le frigo tout de suite. Pendant ce temps-là. J'ai pas envie que ça fonde encore. Merci, mon assistant chef. Pendant ce temps-là, Addison, tu vas nous ajouter dans le verre doseur. Oui. 160 grammes de levure. Donc, excusez-moi. De farine. 160. Et c'est où? C'est du côté farine. Là, c'est ici, oui. Mais. On écrit ça. Farine 160. Allez, Ekma. Ouais, Ekma. Elle a fait ça toute sa vie, ça se sent. Elle a la technique, Ekma a la technique. Yeah. Par contre, pour Addison, c'est un peu plus compliqué. Hein. Je constate qu'il a du mal à ouvrir la farine. Tu t'en sors? Non. Donc voilà, Addison va ajouter 160 grammes de farine. C'est bon? Vas-y, Ekma, mélange. Attends, 160, ok, 150. Regarde là. Attention, la farine, ça descend vite. Hein. Oh, attends, Addison, c'est bon. Non, mais dans le sens, regarde où il tournait. Voilà, il a la technique. La technique, ouais. Tu t'en sors, Ekma? Ouais, la technique. Mmh. Est-ce que vous avez hâte de manger le gâteau? Ouais. Est-ce que vous pensez que grâce à la recette, on va faire un gâteau inratable? Oui. Parce que, faut le dire, entre nous, nous les gâteaux. C'est bon, parfait. Non, rajoute un peu encore de farine, un tout petit peu. Ajoute la levure directement dans la farine. Elle est où la levure? Il faut pas en mettre beaucoup de la levure. Pourquoi il faut pas en mettre beaucoup? Parce que sinon après le gâteau il est trop gros. Exactement. Donc nous on a l'habitude, soit on met trop de levure, soit on en met pas assez. Ce qui fait que soit le gâteau est rentable là, soit il n'est pas du tout. Et en plus, exactement, des fois on a du mal à mélanger en fait. Ce qui fait que des fois le gâteau fait juste comme ça. Donc cette fois-ci on va faire les choses bien. On va faire très attention. Maison et mon assistant peut dire stop. Stop. C'est bon, ouais, ça marche. C'est bon, Ekma? Il en reste plus vraiment. C'est pour ça que j'ai envie de faire. Maintenant, Mohamed, tu vas mélanger pendant que Addison va mettre la farine doucement. La farine, Addison. Doucement, voilà, il va mettre tout ça doucement. Voilà. C'est ce qu'on appelle un travail d'équipe. Oh, ouais, trop là, c'est... Ah, tout va tomber en même temps, je le sens. Wow. Toujours plus sinon, moi. Il y a toujours le lait à mettre. Oui, je sais. Loulé. On aurait dû prendre la machine, non? La machine. Allez, moi. On lâche rien, voilà, regardez-moi. Il fouette tout ça. Voilà, c'est bien. Et pour finir, Ekma va incorporer le lait. Ah, vas-y. Donc voilà, Ekma, tu vas doucement. Vas-y. Voilà, le lait de coco. Ekma, vas-y. Pendant que Ekma ajoute le lait et que Mohamed mélange doucement, Farwati va s'occuper des citrons. Attends. Alors là, ce qu'il faut faire en fait, c'est en découper un et récupérer le jus. Et de l'autre côté, on va juste prendre le zeste de citron. Donc tout ce qui est au niveau de la peau, c'est ça. Oui. Donc Farwati, je te laisse t'en charger. On t'attend avec un verre. Je reviens. Voilà. Attends. Donc on mélange. Voilà, Addison a pris la relève. Donc c'est assez difficile pour lui. Mais voilà, si tout le monde met la main à la pâte, il n'y a pas de raison que ça foire. J'ai envie de dire. Hein, n'est-ce pas? Frappe la pâte. T'as une devise? Enfin, c'est pas vraiment une devinette, c'est plus une blague. En rapport avec des citrons. Non. Alors, non. C'est l'histoire de deux citrons. Non. Il y en a un qui court, qui traverse, parce qu'il y a une voiture qui arrive.
le traverse, puis à un moment il se retourne et il voit son autre ami citron, genre mais qui prend tout son temps. Et il lui fait, hé, presse-toi. Tu mérites que je fasse. Passe-toi. Mais bon. Voilà, c'était la petite blague citron. Blague. En attendant, les citrons. Donc Farwati, presse-toi. Je suis trop tard avec le jus de citron, ouais. Ouais, donc voilà. J'ai enlevé tous les pépins, normalement. Parce que c'est mon métier. Parce que c'est notre projet. Désolé, excusez-moi. Je vais le verser, que je le verse. C'est déjà dans 300. Parce que tout doucement. Ah, j'ai pas vu. Doucement. T'as pas vu 300? Non, il est nul. Tout doucement. Farwati, j'ai dit tout doucement. Voilà. Allez, laisse Farwati malaxer, t'as vu? Maman, je voulais faire. Route, c'est pas. Tu rappes un peu. Hein. Bon, on a vu meilleure rappeuse, hein, mais. Attends, je vais aller de l'autre côté. C'est drôle, la vie, Fagéron. Meilleur rappeur. Ah, je vais te gaver, sache-le. Voilà. Oui! Oui! Mais non, mais. C'est bon, c'est bon. Non, parce que c'est notre projet. Ouais, mais en fait, il y en a pas assez. Il y en a pas beaucoup qui tombent, en fait. En fait, on vient de se rendre compte d'un truc, c'est que Mademoiselle Farwati ici présente n'aime pas la noix de coco. Bah oui, c'est vrai, on l'avait complètement oublié et en plus elle nous l'a pas dit. Donc en fait, c'est un gâteau à la noix de coco fait avec sa contribution, mais elle ne pourra pas le goûter parce qu'elle n'aime pas ça. Donc voilà, on est désolé, vraiment on a mal choisi la recette en fait, on se rend compte. Moi je voulais le gâteau à la pomme. Moi je voulais le gâteau trop stylé avec. Mais écoute, la prochaine fois on fera ça. Et vraiment désolé Farwati, on n'a pas du tout réfléchi à ça. C'est pas grave. Mais bon, en attendant, on l'a fait. Donc Hikma va verser le gâteau. Ah oui, et si on le moule pas avec de la farine et du beurre, c'est parce que c'est un moule spécial, du coup voilà, pas besoin de le faire. Vas-y. Donc voilà enfin notre gâteau. Donc notre gâteau a l'air réussi. Parfait. Ouais. Franchement, on va goûter. Arrêtable. Donc oui, on va tous le goûter. Mm-hmm. Donc on te laisse couper. J'ai coupé. C'est bon à l'intérieur. Oh, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Ça a l'air réussi. Oui, pour une fois, oui, c'est ça. C'est le mot. Farwati, du coup, je te coupe quand même une part ou non? Non, merci. Non, tu veux vraiment pas. On a vraiment pas été intelligents sur le coup. Maman, tu veux une part? Oui, peut-être que tu vas pas le sentir. Hein. Ouais, après, peut-être mal. Cuit. Mais dis-moi, et puis on verra. Sur cette part. Non. Oui. Je t'en prie. Wow. Non, j'ai dit. Voilà. On goûte tout en même temps. On attend, Addison. On attend. Non, je vais juste sentir. Bah, ça sent le citron, hein. Ouais, ça sent bien. Enfin, moi, je trouve que d'ici, ça sent. Hikma, elle sent pas, elle le lèche. Hikma, tu fais quoi? Elle regarde l'âme du gâteau. C'est la vérité. Elle est en train de bifter. Regardez gâteau, comment là. C'est joli. Ça a l'air vraiment réussi. Ça a l'air. En suivant la recette du gâteau. Ça a l'air vraiment à la lèche, super. Pas comme le sien gâteau, on n'avait pas la fraise. On y va, 1, 2, 3. Attends. On sent la note de coco. Ouais, on la sent quand même. Plus le citron parce que ça, il l'a rajouté. C'est chaud, avec C'est pas moi. Si, t'en as rajouté. Il est super bon. Je pense qu'on sent surtout à la fin la note de coco. Il est super beau le gâteau. Mais oui, hein. Mais franchement. Elle est super bonne. En tout cas, félicitations. Hein. Merci. Mm-hmm. Félicitations à l'équipe pour le travail. Mm-hmm. Chacun a mis la main à la pâte, donc ça, c'était vraiment cool. Mm-hmm. Moi, je dis, on refait ça assez souvent. Hein. Ouais, elle est super bonne. Vous avez bien travaillé. Donc voilà, donc c'était la 79 Family Cuisine. Donc voilà, c'était le gâteau au citron et au coco. La prochaine fois, on fera un gâteau sans la noix de coco parce que Farwati, elle n'aime pas ça, donc c'est pas cool pour elle. Et du coup, en attendant, n'hésitez pas. À vous abonner, à liker, à partager, à commenter et surtout à continuer à nous suivre. Bisous à vous. Des bisous. Ça va toi? Ouais. Ah mon